faire quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment dingue et qui vous blesse, au lieu de vous mettre en colère et de piquer une crise et d'essayer de le lui faire payer et de l'exclure pour un temps, vous pouvez être la personne la plus grande et dire « Tu sais quoi, je ne veux pas que nous ayons des problèmes. Écoute, j'ai fait beaucoup de choses dingues dans ma vie. Je comprends. » Vous savez, beaucoup de fois, les gens nous blessent et ils ne savent même pas qu'ils nous ont blessés. Ils ont passé une rude journée, une mauvaise journée. Et ils ne comprennent même pas vraiment ce qu'ils font. Ma fille faisait la queue dans une pharmacie et attendait pour voir une prescription et l'employé se comportait comme une abrutie. Non mais grognonne, grincheuse, hargneuse, prétentieuse. Et donc en attendant, ma fille a pensé, quand j'arriverai là, si elle va me parler comme ça, je vais la corriger. Je vais appeler le directeur et je vais, et je vais, et je vais. Et ensuite, Dieu lui a rappelé qu'elle transporte mes livres dans sa voiture pour les donner aux gens qui ont des problèmes. Et Dieu lui a dit, sors de la queue, renonce à ta place dans la queue, va à ta voiture, cherche-lui un livre et occupe-toi de la situation d'une façon différente. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que son mari vient de la quitter. Peut-être que son enfant vient de mourir. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe dans sa vie et qui la pousse à se comporter comme ça. Vous voyez, la miséricorde cherche le pourquoi derrière le quoi. Et donc, ce qu'elle a dit, vous savez, quand elle est finalement arrivée là, elle a dit, « Tu sais, je crois que tu as eu une rude journée. » Et elle a dit, « Je veux que tu saches que Dieu t'aime. » Thank you.